Eh bien, salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Pixevan. On va faire des invocations viewers, alors ça sera une rediffusion du live. Notez aussi que la vidéo aurait dû être beaucoup plus longue, mais au final, il y a eu beaucoup d'invocations sur Mui. Et franchement, j'avais pas vraiment envie de vous montrer ça. Je vais vraiment me focaliser sur les invocations d'Arbiter Vildred. C'est un peu ça le sujet de la vidéo. Donc il y aura quelques invocations Mui par-ci par-là, mais on va dire que j'ai coupé les moments où il y avait des Pity Mui parce que c'était beaucoup trop long, mais sachez par exemple que Kaizim a Pity Mui. Donc, on est là, le comte de Darin. On voit que Monsieur Clive Alot, Josh Kissé de demi. 2000 mystiques. Hein. Il faut gratter Arby en 2000 mystiques. Non, 1997, pardon. Donc, même pas 2000. C'est possible. C'est possible. Pas besoin de Mui. Je pense pas que tu veux. Attends, non, Mui, on s'en fout, Darin. Hein. Tu gardes pour la Limited. Arby, tu veux. Hein. Tu veux pas Mui. Juste qu'on regarde un peu sa box. Enfin, sa box. C'est les 5 étoiles ML. Hein. Il manque Arby. Il a pas poule pour ML violette. Il a dit non. Pas pour ML Ace non plus, du coup. Ruel, il l'avait peut-être déjà. Je sais pas. Est-ce que Shuri... Ah, tu as déjà Shuri, ok. On l'invoque assez légère parce qu'on va essayer de gratter Arby avec 2000 mystiques. Go ML. Ok, on va ML. Tu as un Chan ou pas, Darin? Chan 2? 2, c'est la première fois qu'on propose le Chan 2. Ok, un vol lunaire. Si on pouvait gratter... Du coup, Arby en invo lunaire, ça serait bien aussi. Ok, bon. C'est l'échauffement. Bon, après, c'est l'échauffement, mais il n'y a que deux invocations lunaires. Donc, l'échauffement, il est pas fou non plus. Ok. Bon, c'était vraiment l'échauffement. Les invo lunaires étaient l'échauffement. C'est pas très grave, en fait. Genre, c'est pas grave. Ce qui nous attend, ici... C'est un Arby très bientôt. C'est ça qui nous attend. Arbiter Vildred. Ok, on est parti. Bonne chance, Darin. Bonne chance, moi aussi, pour cliquer. Et on est parti. J'aimerais ne pas avoir Full Watcher Shuri. Parce que je crois que la dernière fois que j'avais invoqué sur ton compte, Darin, j'avais eu 6 BBK sur ton compte, Darin. Quand j'avais invoqué pour toi. Et c'était catastrophique. Donc j'essaie de me rattraper. Marque du diable, ok, bon pour l'instant c'est les mystiques. Hein. Les mystiques, il n'y a pas souvent de proc. Pas beaucoup de proc chez les mystiques par contre. Ok. Arby. Je sais pas quel rituel il y a pour Arby disponible. Ah, oh, il y a un portier inébranlable. Vraiment, ils ont essayé de le mettre partout maintenant, le portier. Bon, c'est pas grave, il nous reste encore 1700 mystiques. Ouais, c'est pas non plus énorme, mais... tout peut passer. Arby, là. Un proc ML, en tout cas. Il nous faut un proc ML pour avoir de l'espoir. Au moins un proc, en fait. Juste un proc, c'est ça qu'on demande. On n'a rien eu, on a même pas un seul proc, là. Bon, c'est un proc doré, donc c'est pas non plus Pavel, je pense que tu t'en fous, Darin, je sais pas. Il en suffit d'un, ouais, c'est sûr. Je peux en faire. Oh, deux procs dorés, ouais, c'est... Non, c'est quoi l'Arte? Non, c'est quoi l'Arte déjà? Je sais plus quel Arte c'est. Épée du jugement, ok. Il nous reste combien de mystiques là? Ok, on a fait la moitié. Avec la moitié. Bon, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup la moitié. C'est pas beaucoup plutôt. Proc doré. Water. Next pool. Ah là, c'est. C'est-à-dire que c'est deux fois où je pull pour Darin et deux fois où j'arrive pas à avoir le prix. C'est dommage quoi. Après je suis pas non plus. J'avais pas non plus beaucoup de ressources ici, mais. N'arrive pas à le locker pour l'instant le personnage. Hein. N'arrive pas à le locker. Coupe en fer encore. Il reste 550 mystiques en gros pour pull.
Ah, tu pétis tout en mystique de toute façon? Ah oui, ok, non, ok. Je crois que tu disais genre je pitié chaque bannière, je fais une pitié, tu vois. Non, ok, tu pitié, ok. T'as jamais eu un personnage gradé personnage tôt? T'inquiète pas, il reste quelques invocations. Je pense qu'on peut le faire. Putain, c'est désastreux. Ok. Alors, t'es encore un coup en fer, encore. Il reste 4 poules. Ok, un coup en fer. Par pur hasard. Non, non, Water Origin. Il reste 2 poules. Ah non, pas, pardon. Ah si, il reste 2 poules. Il manque 3 mystiques. Oh. Oh, bon. Big rip. On n'a rien eu d'arine. Même pas sur les ML. Coup dur. Coup dur, coup dur. Bon bah écoute Darin, tu vas faire quoi? Tu vas aller le chercher quand même ou pas le Herbie? Ou tu vas Osef et le choper plus tard? Enfin choper le prochain ML. 20 poules pour Mui? Ok, 20 poules. Ça serait bien qu'on arrive à le choper. Ok allez, au moins Mui rapidement. Pour changer, enfin allez s'il vous plaît, Mui rapidement. Ok allez, Mui là on... Comme ça au moins... C'est un petit lot pour le consoler parce que là c'est... Ok non, artefact random. Boucle inflexible. T'as payé les mystiques de Huge Darin. C'est ce que Noah demande. Plus que 10 invocations. On ne va même pas réussir à gratter Mui. Ah si, peut-être, ici. Allez. Non, 4 étoiles et 4 étoiles. Purg. Ok. Purg, j'espère en tout cas. Un héros. Ah, j'y ai cru. Ah, Shuri. Plus que 6 invocations. Et après on va s'arrêter là sur le compte de Darin malheureusement. On l'aura un peu saccagé. Bon bah Darin, rip. Hein. Je peux pas trouver d'autres mots que ça. Si par contre tu veux limiter le sel, je te conseille du coup de pas regarder la suite parce qu'on va invoquer sur Kaizim. Et que si Kaizim chope le Herbie, ça va être catastrophique. Alors, Kaizim, on fait que 20 invocations sur Arby. Invocation Mui jusqu'à l'avoir. Donc, pity ou pas pity, on verra. Invocation lunaire. Puis après, 20 invocations mystiques parce que Arby, c'est pas sa priorité. Alors, je vous raconterai un peu l'anecdote sur Arby et Kaizim, ok? Ok, let's go Mui, c'est parti. Il reste 4 invos, 3 invos. Allez, on peut gratter un 5 étoiles là. Pas Mui, juste un Arte. Allez. Oh, Last Proc, 199e invocation. Mais non. Ce troll, ok, mais... Ok. Bon bah GG, hein, pour Mui. On n'a pas pity, le pattern a été annulé, hein, désolé. Hein. Cependant, on va faire le principal, en fait, de cette session, les lunaires et les mystiques. Donc on va acheter 5 signaliers en plus, pour avoir 7 invos. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Kaizim et son rapport avec Arby. Kaizim n'est pas un grand fan d'Arbiter Veldred. Vraiment pas un grand fan. Il le veut juste parce que bon, c'est Arby. Et donc c'est pour ça qu'il va faire juste 20 invocations mystiques. Pour la petite anecdote, si on va dans son journal, il a déjà Arby techniquement. Mais en fait, il a échangé Arbiter Veldred. Il me semble, si je dis pas de bêtises, Kaizim, que tu as échangé Arby contre Dark Corvus. À l'époque. Il te manque. Ah, t'as pas Melrin, ok. Il te manque Melrin et Melken. Donc tu as échangé Arby contre Dark Corvus à une époque. Donc tu veux éventuellement réobtenir Arby. En light, on pourrait avoir Amel Ball, Amel Chloé, Amel Araminta, et t'as tous les light 4 étoiles, ok. Et donc on est parti. Chan 154, lunaire, on veut Amel Ken, on veut Amel Araminta, on veut Amel Rin, on veut Amel Chloé.
on veut ML Baal et on veut Arbi. Voilà ce qu'on veut. Allez, on est parti. J'ai déjà pool 2 ML 5 étoiles lunaires pour Kaizim. J'ai pool une Ra Aravi et un Spez sur chez Kaizim. Ok, ça sera pas du coup un troisième. Crozet. Bon, Crozet, tu joues déjà, Kaizim. Je pense que tu l'as déjà maxé. Ok. 2. 3. Ok, allez. Et franchement, si à chaque fois je pull sur Kaizim, j'ai que. Non, ok, 4 étoiles. ML Rin. C'est la seule qu'on veut. Ouais, bingo. Oh, mais un troisième proc en 4 invocations. Allez, le proc ML. Ah, pas de Baby Yoki qui proc à droite. ML Rin. Oh, mais Léo. Ok, 5ème. Relativement. Il reste 2 invocations. Ok, il reste une invocation. Ok, bon, c'était. Là, vous voyez, même on a eu des bons. On a eu plein de proc, mais c'est trash tier. Pour un compte comme Kaizim. Pour un compte comme Kaizim, c'est trash tier ce qu'il a eu. C'est que des 4 étoiles ML, mais c'est inutile pour lui. Vraiment inutile. Ça va servir de pierre d'émission, quoi. Après, non, peut-être qu'on pourrait les garder. Il pourrait les garder pour l'échange si jamais il y a un truc avec. Donc en vrai, ça peut être utile. Ça peut s'avérer utile. Donc maintenant, on va faire 20 invocations sur Arbiter Vildred. Voilà, c'est pas une priorité pour lui. Il a 6800 mystiques, il pourrait aller bien plus loin. Mais sa priorité, ce n'est pas Arbi, sa priorité, c'est le prochain. Donc, 20 invocations sur Arbi. Il a pas Pavel, je crois. Tu n'as pas Pavel. Donc, si tu pouvais le choper, ça serait bien aussi. On s'arrête du coup à 180 invocations restantes. Hein. Ok. Arte. Je pense qu'on aura Water Origin. Oh non, j'avais une chance sur 3. Okay. Bon, il reste plus que 14 invocations. Ok, un petit Pavel serait bien pour la collection. Vu qu'il ne l'a pas. Là, je parie sur... Portier. Oh mais, une chance sur 3 à chaque fois. Ok. Toujours un proc doré. Un héros. Ah, pas de bubble, dommage. Pas de bubble. Roman. Plus que 10 invocations. Après, ça l'avance dans la BT, hein. Je pense qu'il aura de quoi pitié le prochain. Oh, ok. Ok. Le Arbi. Oh, fuck. Non. C'était trop beau, putain, non. Non. Oh. Les fakes, c'est du fake ça, c'est les fakes proc là, ça dégoûte ça. Ah, Darin est content. Hein. Allez, on y reste 6 essais. Ah, j'y ai cru, j'ai tellement cru là, le grattage d'Arbi comme ça. Oh, Arte, l'épée, le truc de Lydica. Le truc de Lydica, c'est ça. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Darin, ne te jure pas trop vite! Oh, attention! Eh, le Arbi qui est gratté pour Kaizim! Allez, tout le chat qui était là, oh, trop content, l'a payé Arbi! Boum! GG Kaizim! Ah, c'est excellent! Excellent. Là, c'est bon. La session est complètement sauvée. Bah écoute, il est revenu à la maison. Il est revenu à la maison après tout ce temps, ton Arbi. Après l'avoir échangé,